Oh, fait froid. Voilà, allez, on va faire un déballage ensemble, les amis. Vous allez voir que ça va être sympa. Allez, je rentre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. J'arrive tout juste de la poste. Je viens d'aller chercher mon tout dernier petit aspirateur de chez ProSonic, le 850T. Une petite bête de nettoyage. Franchement, vous allez voir que dans ce déballage et ce test du 850T de chez ProSonic, un petit aspirateur robot compatible Alexa Google Home, c'est vraiment le top. Fini la corvée de nettoyage, puisque c'est un aspirateur robot laveur que je vais vous proposer aujourd'hui pour moins de 170 €. Cet aspirateur, vous allez le trouver sur Amazon et sur plein d'autres sites. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Très sympa. On va tout de suite faire le déballage de ce carton, les amis. Allez, je m'empresse tout de suite de ranger ma canne, de ranger ma petite canne blanche. Et on va passer au travail, les amis. On passe tout de suite au déballage du 850T. Le ProSonic 850T fait partie des derniers aspirateurs de cette société. C'est une société spécialisée dans les appareils ménagers. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. En haut à gauche, le nom de la société ProSonic. Sur les côtés, on va trouver les différents specs. Et on trouvera bien sûr la langue française. Passons tout de suite au déballage. Alors, lorsqu'on ouvre le carton, on a tout de suite un carton qui protège le tout. Voilà donc le contenu complet de la boîte. On va donc trouver les notices. Alors, on va trouver toutes les notices, bien sûr, totalement en français. Une plaquette avec les deux codes QR pour aller rechercher l'application nécessaire. Puis, cet aspirateur sera compatible Alexa et Google Assistant, ainsi que iOS Android. Une petite balayette pour nettoyer l'aspirateur lorsqu'il a fait le ménage. On va trouver notre aspirateur complètement emballé, on va tout de suite le déballer. Voici donc le ProSonic 850T. Il est de couleur noire laquée, il est vraiment ultra design. Bien pensez à enlever les adhésifs qui sont collés et qui bloquent le bouclier. Et pensez bien à enlever les deux bouts en polystyrène qui bloquent le bouclier. Une fois ceci fait, on a donc en façade le bouclier, lorsque celui-ci touchera un meuble, une chaise, relancera l'aspirateur dans un autre sens. On peut ici s'apercevoir du débattement de 2 cm. Il va pouvoir monter des seuils de porte jusqu'à 2 cm, ça c'est plutôt pas mal. Côté crampons de roue, il a des bons petits crampons pour adhérer à tous les sols. Et ici, au centre, on a une grosse balayette qui va aspirer toutes les poussières. À l'arrière, on a donc un bac à poussière. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et le bac sortira. On a donc un bac à poussière de très bonne capacité. Pour remettre ce bac, c'est simple. Vous reprenez le petit bouton. Et il rentre facilement. Donc il se défait et rentre très simplement. Niveau sonore, vous avez un aspirateur de 3000 pascal. Cet aspirateur sera capable en même temps d'aspirer, de laver votre maison. Alors deux balayettes sont fournies avec, plus deux autres balayettes. On aura une serpillière supplémentaire. La connectique propriétaire, la connectique murale. Le bac de 500 ml d'eau avec sa serpillière déjà mise dessus. Grâce à ce bac, vous allez pouvoir aspirer et laver votre maison ou votre appartement. On retrouvera aussi une bande magnétique pour éviter que notre aspirateur aille sur des endroits non désirés. On aura donc un nouveau filtre à particules de remplacement. La base de rechargement de la même couleur que notre aspirateur, noir laqué, très joli, avec sur le dessus un trou pour positionner sa télécommande. Vous allez voir, c'est très sympa. Comme je viens de vous le dire, le 850T est équipé d'une télécommande. Alors ça, je trouve ça vraiment pratique, une télécommande, puisque par exemple, s'il est bloqué ou si vous voulez le diriger de vous-même, vous allez donc pouvoir le diriger grâce à son joystick central. C'est vraiment le top. Et avec cette télécommande, vous pouvez voir qu'il y a un petit écran
paramétrer différentes étapes dans la semaine si vous voulez que votre aspirateur fasse différentes choses. Donc une petite télécommande est toujours la bienvenue dans ces aspirateurs robots sans fil. Ils vous fournissent les piles pour mettre dans votre télécommande. Voici donc le package complet que l'on va retrouver sur notre ProSonic 850T. J'ai équipé la télécommande des piles. Alors vraiment, c'est intéressant d'avoir une télécommande connectée à son aspirateur pour pouvoir le diriger à distance. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'avant, on va trouver une roue multidirectionnelle qui va s'adapter au sol. Alors, on va tout de suite mettre les deux balayettes. Nous avons deux balayettes de chaque côté. Tous les aspirateurs ne sont pas équipés de deux balayettes. Alors, pour enlever et nettoyer la petite balayette, nous allons avoir deux boutons poussoirs et on va pouvoir enlever et nettoyer le rouleau principal, celui qui nettoie les grosses poussières pour enlever tout poil, etc. Et on le remettra tout simplement comme ceci. Et on le remettra comme ceci après avoir nettoyé notre rouleau. Côté bouton d'allumage, vous allez donc trouver ce bouton sous l'aspirateur. Lorsque vous avez l'aspirateur sur le dos, vous allez donc trouver ce bouton côté droit juste au-dessus de la roue. Lorsque vous l'allumez, vous entendez un petit bruit. Et quand vous l'allumez, s'apercevoir de petits boutons tactiles sur le dessus éclairés en bleu, une petite maison et le bouton power. Vous dirigez donc soit sur l'App Store ou le Play Store et vous téléchargez ProSonic Home. Alors voyons ensemble si l'application est accessible. Comme toute application de ce genre, il va falloir créer un compte chez ProSonic avec une adresse mail et un mot de passe. Donc, deuxième étape, vous assurez que l'appareil est bien allumé. Prochaine étape, bouton 1, appuyez longuement sur attachement, PNG, fichier, pendant 5 secondes 2, le voyant Wi-Fi clignote. Donc, le voyant Wi-Fi clignote bien. Choisissez un réseau pour vous connecter à votre appareil, il ne supporte que le réseau 2.4G Wi-Fi. Livebox 46C4, bon, veuillez entrer le mot de passé de Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté à votre réseau, vous avez ce genre de fenêtre. Point retourné dans ProSonic ou même prêt de connecter avec succès. Connecté. Bouton. Connecté. Réglage. On va donc dans le réseau. ProSonic 859000. ProSonic 859355. Connexion. Sélectionné. ProSonic 859355. On est donc connecté à notre réseau ProSonic. L'appareil est en cours de connexion. Placez le téléphone, l'appareil et le routeur aussi proche que possible. Chargement, loading. Ajouter avec succès. On a donc ajouté avec succès notre ProSonic 850T. Cher l'appareil. L'appareil est enregistré sur le serveur. Ini achevé. Bouton. On se positionne sur le bouton achevé. Achevé. Chemin. Chargement en cours. Loading. Et on a notre aspirateur qui est enfin connecté. Robot. 0. 62% niveau de la batterie. 0 minute temps de nettoyage. ULD 5 auto. ULD 5 yankian. ULD 5 1. Tic. Robot. Obstacle. Bouton. On peut donc. ULD. Paramètres. SN. Et modifier le nom. 850T/850P. D. On a donc accès à l'intégralité de l'application. Record de nettoyage. Message anormal. Réserver le nettoyage. Interrupteur d'éclairage. Localiser le robot. Mettre à jour le firmware. 1. Si votre système. Loading. Une fois que vous avez créé votre compte sur l'application ProSonic Home, vous aurez donc votre robot ici connecté sans problème. Possibilité de simuler la télécommande sur votre smartphone, mais attention, cette fois-ci, l'accessibilité est quand même assez restreinte par rapport à l'application. D'où l'intérêt d'avoir une télécommande réelle pour pouvoir vous servir de ce robot. Car attention, au niveau de l'application, il n'y a pas énormément d'accessibilité. Sur le dessus, on a donc deux boutons tactiles, un pour l'appairer au Wi-Fi et un autre pour l'allumer ou l'éteindre. Alors, on va lui faire passer le test du vide. Est-ce que cet aspirateur est capable de s'arrêter avant de tomber ? C'est parti.
Pour le lancer, tout simplement, on appuie sur le bouton power, il va se lancer seul, c'est parti. Alors pour tester ça, je vais les positionner sur une table de cuisine qui est à peu près à un mètre, un peu plus d'un mètre de hauteur. Et pour l'instant, le test est réussi. Puisque regardez, il s'arrête exactement au bord et il fait son petit chemin. Le test est réussi, les amis. Il longe la table. Voilà, donc quand il a fini la surface, il s'est remis au centre de la table et s'est arrêté tout seul. Magnifique. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est appréciable, c'est cette télécommande vraiment qui va faire la différence avec le ProSonic 850T. Puisqu'on va pouvoir le télécommander à partir de sa télécommande, c'est un des gros avantages par rapport à d'autres aspirateurs que je vous avais présentés sur la chaîne. Par exemple, ici, si je veux le lancer. Alors, les deux premiers boutons, en partant du haut, à gauche, on va lancer l'aspirateur, à droite, on va le remettre sur sa base. Exemple ici. Ça, c'est vraiment chouette, parce que moi, je trouve, quand on est déficient visuel, avoir une télécommande, c'est quand même pas mal. Alors là, l'aspirateur est parti à fond faire son ménage. Si je veux le remettre sur sa base, j'appuie sur le bouton de droite. Et là, notre aspirateur est censé revenir à sa base. Et ça, c'est vraiment top, puisque là, il est revenu à sa base tranquillement. C'est rechargé. Alors, c'est pas un aspirateur que l'on a vu comme sur la chaîne, avec le Smart 3D qui détecte et qui numérise votre pièce. Donc il va parfois se cogner contre des chaises, contre vos meubles, pour ensuite reculer sans problème. Mais il n'aura pas une détection 3D de votre maison. Alors l'avantage avec la télécommande, c'est que je vais pouvoir le guider. Ici, je peux par exemple le faire revenir vers moi si je veux. Bon, ici, je le fais aller en marche arrière. Si je veux ici, je le fais aller en marche arrière. Ici, en marche avant, je peux le faire tourner. Donc, c'est moi qui gère avec le joystick. Ça, c'est cool. La télécommande, ça peut servir vraiment à pas mal de choses. Alors, je vais pouvoir changer ma caissette à poussière qui possède la serpillière. Voilà, donc maintenant le robot est équipé de la serpillière. On va pouvoir aspirer en voici même temps. Alors voici mon verdict, les amis. Si vous avez un petit budget, 168 €, le ProSonic 850T peut être un très bon atout. Avec sa serpillière, compatible Alexa et Google Home, ça peut être un aspirateur passe-partout. Ça peut être un atout pour les personnes qui ont un petit budget. Il peut vraiment rivaliser avec les gros aspirateurs. Étant donné qu'il est capable d'aspirer en même temps de laver, c'est vraiment un aspirateur très joli, très design, très silencieux. Vous l'avez entendu dans la vidéo. Donc, si vous désirez un petit aspirateur 2 en 1, je vous conseille le 850T qui peut être un très bon atout pour votre domicile. Le 850T de chez ProSonic. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes. C'est important pour la chaîne. Mettez un petit commentaire. C'est super important pour la chaîne. C'est super important pour moi. Pour que la chaîne puisse monter auprès de YouTube, les amis. Likez, partagez, mettez un petit commentaire. Ça encourage et ça me fait plaisir. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Et à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Salut à tous. Et prenez soin de vous.